Il ramasse chaque jour un caillou et le planque dans sa poche. Il raconte qu'il s'en ira les planter pour que poussent des murs, fruits mûrs de la liberté. Il est persuadé qu'en cultivant des cailloux, le temps sur son lit ricoche. Il nous dit que les pierres, elles ne sont pas névrosées, que nous sommes ses remparts et repart les arroser. Mais comme les autres, il tourne en rond comme un poisson dans son bocal qui s'extasie chaque minute devant les ruines de son local. Et quand arrive l'heure de la promenade, il reste enfermé. C'est comme ça qu'il s'évadire entre le premier juste le temps de gommer du soleil et de gratter le sol pour trouver une merveille, un bout de béton qui est pas pareil, un bien unique, le seul sur terre qui le fait tenir, se dire que chaque jour est à marquer d'une pierre. Il ramasse chaque jour un caillou et le planque dans sa poche.